devrait être ouvert. Exposition annulée. Oh, qu'est-ce que c'est? Gringotte sans dame. Mais, gravement malade. Ah ben, il faut aller le voir, hein. Ah, faudra qu'on aille le voir, hein. Allez, c'est bizarre. Mais tu sais où il habite? On fait pas le temps maintenant, mais ouais, Entrez. On peut ? Venez. Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, il est servi ce matin, il était vaseux, il a eu une éruption de bouton organe, il y a les mouches. Non, il y a déjà les mouches. Ouais, mais c'est terrible. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas d'asticot, ça va encore. Ça. On dirait une porcorolite fulgurante. Tu connais ça, toi, t'as déjà vu ça? Ben oui, avant il y avait des épidémies comme ça. 43-6. 43-6. 43-6. Faut l'évacuer. Faudrait téléphoner. Faut aller sur le continent. Mais alors, son expo? Bah ouais. Mais oui, mais son expo, ben il peut pas y aller, il peut rien faire. Mais déjà, il faudrait lui faire une. Pour annuler l'expo? Une proctologie ou quelque chose. C'est lié, il faut l'hospitaliser. Une proctoscopie? Un proctoscopie? Oui. Ça, il va pas. Est-ce qu'il peut supporter ça? Il faut le saigner. Dans quel état il est? Les enfants. La visite des enfants. Faire la visite par les enfants. Mais ils sont pas capables. Mais s'ils racontent, ils délirent. C'est la fièvre. Quand ils le disent. Tu crois qu'ils peuvent faire la visite à ta place? Ouais. Et accueillir le public et tout ça, et faire les explications. Il faut appeler, prévenir Marc. Je vais vite à l'école. Je vais prévenir Marc. Et par contre, t'as appelé les pompiers ou... Ah oui. Qu'il fasse venir l'hélicoptère. Ouais. Je vais prévenir le médecin, les pompiers, et je vais surtout voir Marc pour l'école aussi. D'accord. Bon ben, fais vite. Bon, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. Le docteur Prout est malade, il ne peut pas sur l'exposition. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Vous connaissez l'exposition, vous, ou pas? On la connaît par cœur. Alors, on a la chaise électrique. Ouais, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Voir un remplaçant. Eh bien, qui va le remplacer? Moi. Nous tous. Toi. Bah, vous tous. Eh ben, je vous remercie pour lui et je pense qu'il sera content. Ouais! Ce sera notre voix, le docteur Prout va nous lâcher le! Ouais! Docteur Prout, il est malade, il faut. J'invite la victime à se mettre debout sur la chaise et mettre une main sur la sphère. Encore pire là, t'as les cheveux, vous savez qu'ils sont en milliers, en plus, ils sont en milliers.
Ça, c'est ma préférée. Bravo, on applaudit. Oui. Voici la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Mais y'a rien dedans. Mais si, elle est là. C'est forcément, on la voit pas, parce qu'elle est invisible. Mais le problème, c'est que si on l'enlève de la boîte, et ben on la perd. Voilà. Test, couleur de terre, tout le festive, clé toilette, papier toilette, la chasse d'eau et l'escalier. Présente la machine de recharge. La machine qui fait de l'électricité avec les petites toilettes. Le bord. Merci à vous, merci à vous les enfants. De rien. On va faire ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a rien cassé. Bravo. On s'est bien occupé. On a vu que tout est goûté. Vous aussi.